Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui en mécanique, nous allons étudier les vitesses dans les mouvements uniformément variés. Donc un mouvement est considéré uniformément varié lorsque la vitesse instantanée du mobile augmente dans des quantités égales dans des temps égaux, donc c'est-à-dire proportionnellement. Le mobile est alors soumis à une accélération. L'accélération, c'est le changement de la vitesse pendant une unité de temps. Donc pour les formules, pour l'accélération, on a la loi des vitesses, où quand l'accélération est proportionnelle au temps, v la vitesse en mètres par seconde est égale à a l'accélération en mètres par seconde au carré fois t. Donc là, c'est lorsque le mobile est à l'arrêt, qu'il démarre, qu'il n'y a pas de vitesse origine. Lorsque le mobile est déjà en mouvement, c'est la même formule, sauf qu'on additionne à ça à VO, où on inclut la vitesse origine. Elle est aussi en mètres par seconde. La deuxième formule est la loi des espaces, où là on inclut une unité de distance, en mètres évidemment. Et là ça donne x est égal à VO, la vitesse origine, fois t le temps, plus 1 demi, fois a l'accélération, fois t au carré. Donc pour une application ça donne ça. Une voiture démarre avec une accélération de 0,8 mètres par seconde au carré. En combien de temps la voiture atteindra-t-elle une vitesse de 50 km/h et quelle distance aura-t-elle parcouru? Donc la vitesse origine est de 0 vu qu'elle démarre. L'accélération est de 0,8 mètres par seconde au carré. Et la vitesse est de 50 km/h. Donc pour l'exercice, on doit la transformer dans les unités légales en mètres par seconde, ce qui fait donc 13,8 mètres par seconde. On recherche donc la distance et le temps. Donc on inscrit les deux formules, les lois des vitesses et la loi des espaces. Donc pour la facilité de l'exercice, j'ai nommé ces formules 1 et 2 pour les repérer plus facilement. Donc on y ajoute les valeurs connues. Et dans la première formule de loi des vitesses, on peut y inscrire directement le temps en secondes. Donc on trouve pour t est égal à 17,25 secondes. Après, il suffit de le remettre dans la deuxième équation par rapport aux unités connues pour trouver donc la distance. Donc c'est une simple utilisation d'une double équation. Lorsque le mouvement est uniformément retardé, donc la vitesse du mobile diminue proportionnellement au temps toujours, mais ce mobile est soumis à une décélération. Donc on remarque que le mobile ne part pas du repos, contrairement à l'accélération. Donc on ne considère pas de vitesse origine. Donc les formules sont similaires pour les lois des vitesses et des espaces, sauf que cette fois-là, on ajoute une soustraction au lieu d'une addition. Donc V, la vitesse, est égale à la vitesse origine, moins l'accélération fois le temps. Et X, la distance, est égale à VO, la vitesse origine, fois T, le temps, moins 1 demi, fois A, l'accélération, fois T au carré. Donc dans une application, voilà ce que ça donne. Une Formule 1 aborde un virage avec une vitesse de 50 km/h, donc vitesse origine. Elle freine pour atteindre une vitesse de 80 km/h en 60 mètres. Calculer le temps t et la décélération a. Donc tout d'abord, on transforme les vitesses dans des unités légales. Donc 81 km/h qui devient 22,2 mètres par seconde. Et la vitesse origine de 30 km/h qui devient 83,3 mètres par seconde. On a aussi la distance de 60 mètres. Et on recherche le temps et la décélération. Donc comme d'habitude, on réinscrit les formules connues en les nommant. On y ajoute les unités connues. Après, on va devoir utiliser la méthode de résolution des systèmes d'équations, car la première ne nous donne pas directement la réponse. On a A, l'accélération est égale à 61 sur 1 divisé par t. Donc une fois qu'on a cette valeur, on va devoir la mettre dans la deuxième équation, à la place de A, où donc on n'aura plus comme inconnu que t et t au carré. Donc à ce moment-là, on va pouvoir la résoudre, trouver donc t, qui est de 1,13 secondes, et le réinscrire dans la première équation du départ où la seule inconnue était A une fois qu'on a t. Donc on retrouve t est égal à 1,13 secondes et A la décélération de 54,7 mètres par seconde au carré. Donc là, il faut utiliser la résolution des systèmes d'équations. Pour une puissance en translation, donc lorsqu'il y a poussée d'une force. La puissance est proportionnelle au poids à déplacer et la vitesse de déplacement. Donc P, la puissance en watts, est égale à F, la force en newton, et V, la vitesse en mètres par seconde. Donc c'est une formule simple pour une application. Une grue ayant une puissance de 8 kW doit soulever un poids de 3200 dk. Déterminer la vitesse maximum du levage. Donc on réinscrit P égale V fois F. Donc on transforme V. Vu que c'est ce qu'on cherche, est égal à P fois F.
Donc on transforme dans les unités légales en newton et en watts. Donc ce qui nous donne V comme vitesse est égal à 0,25 mètres par seconde. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.